Good morgen, allez Yiden et Tusser aujourd'hui, les Louis Nishmat Dov Ben Yudit et Vatarambam Ben Chedva. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, quand vous êtes le Saint-Denis éternel, nous étudions aujourd'hui Maserat Shabbat Peribet Mishnah Bet. En Madikin Beshemen Serefa Beyom Tov. Rabbi Ishmael Omer, En Madikin Beitran Mipnek Vod HaShabbat. Vachachamim Matirin Bechol HaShumanim, Beshemen Shum Shemin, Beshemen Egozim, Beshemen Snonot, Beshemen Dagim, Beshemen Pakuot, Beitran Uvneft. Rabbi Tarfon Omer, En Magin Ella Beshemen Zait Bilvad. Dans la Mishnah Aleph, on avait ouvert la Mishnah en précisant, en posant la question, avec quelle huile allume-t-on? Bame Madikin ou Bame En Madikin. Avec quelle huile doit-on allumer les nérodes de Shabbat? Et avec quelle huile on n'allumera pas les nérodes de Shabbat? Et dans la première Mishnah, on a énuméré une série de choses qu'il ne faut pas utiliser pour les nérodes de Shabbat. 6 petits lots invalidés, d'accord, des mèches, des mauvaises mèches, parce qu'elles ne tirent pas bien l'huile pour la brûler normalement, elle a plutôt tendance à faire exploser, éclater la flamme, et du coup on a peur qu'il va pencher, la fiole pour que ça éclaire mieux. Et après on avait 6 huiles invalidées. Une des 6 huiles, c'était la Shemen Serefa. Et la Mishnah, en fait, notre Mishnah va commencer à nous préciser la raison pourquoi il ne fallait pas utiliser la Shemen Serefa. D'abord, je traduis, après j'explique un peu mieux. En Medikin be Shemen Serefa biyom tov, on n'allumera pas une Shemen Serefa, une huile à brûler, à Yom Tov. Et j'explique un petit peu mieux. Parmi les 6 huiles évoquées dans la Mishnah Aleph, alors il y en a une qui fait exception, qui est différente des autres. 5 huiles, elles sont invalidées parce que ce sont des mauvaises huiles. Elles brûlent mal, et de ce fait, on a peur qu'il va pencher la fiole. D'accord, la fiole. On a peur qu'il va la pencher, et il va transgresser l'interdit de m'avehir pendant Shabbat, de brûler une flamme pendant Shabbat, d'allumer une flamme pendant Shabbat. Une qui faisait exception, c'était le Shemen Serefa. Ouais, on avait comme ça, il y avait « Lo bezefet velo beshava velo beshemen kik velo beshemen serefa velo be'alia velo bechalev » La quatrième, c'était Shemen Serefa. Eh bien, elle, son problème de la Shemen Serefa, ce n'est pas un problème de qualité du tout. On parle d'une huile tout à fait normale, une huile d'olive, même si vous voulez. Mais on parle en fait d'une huile qui appartient à un Kohen, c'est de l'huile de Trouma, j'explique. Lorsqu'on reçoit une récolte, il faut prélever et donner une part au Kohen. Ce qu'on donne au Kohen, ça s'appelle la Trouma. La Trouma, le Kohen doit la manger, Betahavra, dans la pureté. Sans l'invalider en la rendant impure. Lorsqu'il l'invalide en la rendant impure, il ne peut plus la consommer, il doit la brûler. Malgré tout, la Torah lui a permis de se servir de cette chaleur, ou de la flamme que ça va produire en fait. Imaginez, vous lui avez donné un pain, il va vouloir un pain de trauma, il en a fait un pain avec la farine, et puis ce pain a été impurifié, le Kohen devra le faire, le brûler. Mais lorsqu'il le brûle, il peut le mettre à brûler pour faire cuire quelque chose. D'accord? S'il veut, c'est un combustible, il peut l'utiliser en tant que combustible. Idem pour l'huile de tourma qui a été invalidée, qui a été impurifiée, il devra la brûler, mais il pourra en tirer profit pour l'éclairer. D'accord? De ce fait, un Kohen a le droit d'allumer les nérodes Shabbat en utilisant un Shemen Serefa, sans aucun problème. Sauf que la veille, si on a un Yom Tov qui tombe avant Shabbat, alors là, il ne pourra plus allumer, comme ça va être le cas pour les Français, là, pendant Pessah, en Chutz Laaretz. Il y aura 2 jours de Pessah, puis après 1 jour de Shabbat. Et puis, on allume les Nérot depuis Yom Tov pour entrer dans Shabbat. Et bien, cette fois-ci, il ne pourra plus allumer les Nérot de Yom Tov en utilisant le Shemen Serefa. Pour quelle raison? Parce que, En Madlikin, le Shemen Serefa, bi Yom Tov, on n'utilisera pas de l'eau de l'huile destiné à brûler de Kohen, en fait, de la Trouma, que sa seule utilité est d'être brûlé, on ne l'utilisera pas à Yom Tov. Pour quelle raison? C'est déduit, en l'occurrence, une des sources rapportées dans la Gemara, c'est déduit du Korban Pessah, que les restes du Korban Pessah qu'on n'a pas mangé avant Khatzot, on ne peut plus les manger après Khatzot. Il faudra attendre ensuite pour le brûler. Mais pour le brûler, on ne le brûlera pas pendant Yom Tov, bien que ce soit permis d'utiliser le feu pendant Yom Tov, en général. On ne pourra pas brûler les restes de Korban Pessah pendant Yom Tov, il faudra attendre la sortie de Yom Tov pour le brûler. C'est précisé dans la Torah. Et l'autre Yom Tov, Ad Boker,
Notam Yemenu Ad Boker, la Torah utilise deux fois le mot Boker pour te dire, tu sais, je te donne un deuxième matin pour le brûler. D'accord? Donc, je reviens, les Kochim, un Kodesh invalidé, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le brûler pendant Yom Tov, il faut attendre la sortie de Yom Tov. On déduit de là, c'est une des sources évoquées dans la Gemara, que, desquelles on déduit qu'on ne peut pas brûler, on peut pas brûler un ce qui est Kadosh invalidé. Et idem pour la Trouba qui est aussi Kdosha, on ne pourra pas la brûler pendant Yom Tov, il faudra attendre la sortie de Yom Tov. Selon ce principe, pendant Yom Tov, on ne pourra pas allumer les Nerot pendant Yom Tov, avec le Shaman ne serait pas de la Trouba invalidée. Et voilà. Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah, en rapport avec la Mishnah précédente. Maintenant, la Mishnah continue en disant « Ein madlikin, Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel m'enseigne, Ein madlikin beitran mipnei kvod ha-shabbat. » On ne brûlera pas du itran, c'est apparemment du pétrole, je vais expliquer vaguement comment ça se présente, à cause de l'honneur du Shabbat, parce que ça fait une odeur désagréable. À cause de la nécessité de donner honneur, d'honorer le Shabbat, alors tu n'allumeras pas avec du itran parce que ça dégage une odeur désagréable. J'explique un petit peu mieux tel que j'ai compris, parce qu'en fait, il faut faire de l'ordre. Dans la Mishnah précédente, on avait dit qu'on ne pouvait pas allumer du zéfet, du goudron. Maintenant, Rabbi Ishmael nous dit que tu peux allumer du itran. Et tu ne peux pas allumer avec du itran. Et Chachamim, ils vont nous dire, regardez, Chachamim attirim bechol hashamanim. Et Chachamim permettent avec toutes les huiles. Il y a une série d'huiles d'espèces qu'on expliquera ensuite. Shumshamin et gozim tsnonot begim pakuot. Et à la fin, on finit avec itran et vneft. Donc, en fait, on a quatre termes que j'ai eu du mal à comprendre exactement qu'est-ce que chaque chose veut dire. On a Zefet, Itran, Neft, et j'en ai perdu en route. Non, on a le... Ouais, bah c'est tout apparemment. Il y a Zefet, c'était la même chose précédente, on ne pourra pas allumer du Zefet. Mais on pourra allumer... Alors, Itran, il fait Machloket, Itran et Neft, ça fait... c'est une Machloket. On explique un petit peu mieux comment ça se passe. Il s'agit en fait du goudron, du pétrole et de la poix. J'ai pas vraiment compris, j'ai cherché un peu dans Wikipédia pendant un petit quart d'heure, c'est très intéressant à voir comment est-ce qu'à l'époque on fabriquait du pétrole, et du... Concrètement, il y a des bois résineux, le pin par exemple, où on peut extraire la résine, c'est une substance blanche, et par combustion, distillation, on va en extraire toutes sortes de produits qui vont faire soit le zéfet, soit ensuite, tel que c'est précisé cette fois-ci dans le Tosot Yom Tov, du Zefet, on va en extraire le Itran. Apparemment, je comprends que de la résine, on va en extraire le Zefet. Le Zefet, apparemment c'est la poix elle-même. J'ai des doutes, est-ce que c'est le goudron, est-ce que c'est la poix? Apparemment c'est la poix, c'est une substance noire épaisse, c'est un combustible déjà. Ça, c'était la Mishnah précédente, en fait, qui nous l'interdisait. J'essaye de comprendre, en fait, à quoi chaque chose correspond. Et c'est pas dit aussi qu'en hébreu moderne, ce soit les mêmes termes qu'en hébreu ancien. Il faut pas non plus faire très attention lorsqu'on étudie quelque chose, ne pas chercher dans un dictionnaire hébreu-français, on peut se faire avoir fréquemment. Très fréquemment même, les termes ne sont pas exacts. Lorsqu'ils ont composé l'hébreu moderne, ils ont fait des fois même des contresens, mais terribles. Il y a un livre entier qui énumère des exemples. La Hagé Lachon. Un livre assez rare, quoi, mais qui explique toutes sortes d'erreurs qu'il y a. Moi aussi, j'ai une petite liste que je m'amuse à garder et après. Enfin, je reviens maintenant sur le sujet. Donc, il y a on en extrait, tel que c'est rapporté dans le Mortel Noir, on extrait un Zefet et du Zefet, on en extrait le Itran. Apparemment, j'essaie de comprendre quoi, que la résine d'abord, bon, c'est pas encore un combustible, on la distille, et puis on en extrait apparemment la poix, et de la poix, on peut ensuite en tirer du pétrole, et le goudron, je sais pas où le mettre dans l'histoire. Maintenant, à part ça, il y a donc le neft, en fait, il s'avère que le neft, en fait, il est d'origine végétale, or ça pose problème, parce que le neft, il a aussi d'origine minérale, j'ai pas réussi à comprendre comment se présentent les choses. Je reviens maintenant sur la Mishnah. Je reste avec les termes utilisés dans le Bar Tanoura et dans le Mefarshim. Donc je reprends du itran, de la résine en fait, on en extrait le zéfet. Du zéfet, je suppose donc que c'est la poix. Du zéfet et pas le goudron. Et peut-être c'est le goudron,
Et du zéphète, et ça, il ne faut pas l'utiliser. Maintenant, du zéphète, on en extrait le neft, le itran et le neft. Et le itran. Le itran, apparemment, ça correspond cette fois-ci au pétrole végétal, en fait. Et le Rabbi Shmuel nous dit, ben, tu n'allumeras pas avec ça parce que ça dégage, ça brûle super bien. C'est le pétrole, en fait. Ça brûle très bien, mais ça dégage une odeur désagréable. Donc tu n'allumeras pas parce que c'est pas gros de Shabbat. Tandis que Rabbim nous dit, ben, si c'est à la joie, tu allumes avec ça. Si avec ça on s'éclaire chez nous, c'est tout, on pourra l'utiliser. Et à part ça, on pourra même aussi utiliser le itran et le neft. Alors là, le neft qui me pose problème, parce que c'est aussi le pétrole, le neft. Et je sais pas, je peux pas... Je sais pas comment classer les choses exactement, quoi. Et voilà. Je reprends maintenant la série des autres huiles que Rahamim permet. Rahamim, Matirin, Bechol, Hashemanim, qui permettent avec toutes les huiles, non pas que Rabbi Shmuel discute sur ça, mais qu'il y aura un avis plus loin qui nous dira qu'il faudra allumer que du Shemen Zaït. Et là, Rahamim nous dit, tu peux utiliser toutes les huiles, Bechol, Hashemanim, avec toutes les huiles, Bechemen, Shum Shemin, avec de l'huile de sésame, Bechemen Egozim, de l'huile de noix, Bechemen Tznonot, des huiles de radis, en fait. Barton en précise, on parle des graines de radis, apparemment, qui permettent de... Ouais, Shemen Ayotim, Zera Tznon. Le Tznon, du radis, il y a les graines de radis, on peut en extraire une huile, comme toutes les graines, en fait. Bechemen Dagim, avec de l'huile d'origine de poisson. Petite discussion, est-ce que c'est avec les entrailles du poisson ou avec dans les yeux du poisson, d'accord? Le marloquet Rashi Rabbeinotam. Bechemen pakuot. Alors, Bechemen pakuot, c'est de l'at midbarit, dit le Barthénora. C'est une citrouille du désert. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est la grosse citrouille, peut-être, je ne sais pas. Beitran ou vneft. Donc, le itran et le neft, c'est ce qu'on expliquait. Le itran, c'était la discussion. Et neft, c'est le pétrole. Peut-être vous avez qu'à dire que le pétrole, le neft ici, c'est le pétrole d'origine végétale, minérale plutôt, tandis que le itran, c'est le pétrole d'origine végétale. J'essaie de... Rabbi Tarfon Omer, en malikin, ella bechemen zaït bilvad. Et Rabbi Tarfon vient et nous dit, tu sais, tu allumeras que avec du shemen zaït bilvad, uniquement avec de l'huile d'olive. Uniquement, parce que c'est la plus belle huile, et à part ça, des grandes goulottes qui sont apportées dans la Mishnah, grâce à ça, on a le mérite d'avoir des enfants tels des chachamim, et voilà. Maintenant, le Bartonor nous précise qu'il y a encore quelques huiles encore interdites, notamment, il rapporte le shemen afarsemon. De nouveau, ça aussi est une erreur, là, c'est sûr. Afarsemon, en hébreu moderne, afarsemon, c'est le kaki. Et là, ça n'a aucun rapport avec ça. Et c'est... je sais pas ce que... Et maintenant, quelle est la particularité de ce shemen afarsemon? Ah, il a une très bonne odeur, premièrement. Et en plus de ça, lorsqu'il brûle, eh bien, il y a des petits éclats qui peuvent... des petites... C'est fréquent dans certains... Lorsqu'on fait des feux de certaines matières, ça fait des petits morceaux de feu, en fait. Des étincelles de feu qui peuvent partir brûler d'autres choses. Ça, on a parlé de l'utiliser pendant Shabbat pour deux raisons. D'abord, parce qu'à cause de sa bonne odeur, tu risques machinalement d'en tirer une goutte et de l'étaler sur les mains. Or, tu vas transgresser en cela un interdit de Mechabé, de prendre... De l'huile, celui qui prend, c'est discuté comment comprendre ça exactement, on va pas rallonger sur l'histoire, mais en tout cas, le fait que tu vas faire qu'une huile qui est censée brûler, qu'elle va plus brûler à cause de toi, va faire que tu vas écourter la flamme. Et elle va brûler moins longtemps, il y a un interdit d'oraita des rabbanan, c'est compliqué comment comprendre, mais en tout cas, il y a un interdit en cela quoi qu'il arrive. Mistapek minashemen, premièrement. Et deuxièmement, à cause de ces petites étincelles qui vont brûler, on a peur que tu vas te mettre à éteindre un feu pendant Shabbat. Ouais, mais Pénéchéou, af, il dit le Barthénois, il s'envole, il est vrai, d'accord? Donc tu ne pourras pas utiliser cette huile pendant Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Zahra Koltou, Zahra.